Shalom, shalom, chers amis internautes, je vous parle depuis ma page Facebook, du moins mon compte Facebook, parce qu'il y a page Facebook, il y a compte Facebook. Je vous parle depuis mon compte Facebook. Depuis les États-Unis d'Amérique, précisément dans le Maryland, je suis dans le Maryland, dans l'état de Maryland, je suis dans la ville de Laurel. Voilà, dans la ville de Laurel. À quelques minutes de Baltimore. Ouais, donc il est pratiquement 5 heures. Ouais, il est 5 heures moins ici. Il est 5 heures moins le quart. Il est 5 heures moins le quart heure des États-Unis. Voilà, que Dieu bénisse. Je suis là justement pour une tournée américaine. On en a eu une tournée européenne. On a eu. Oui, shalom à toi. On a eu une tournée européenne, on a eu aussi une tournée, il a maintenant une tournée américaine. Voilà, donc je viens de finir de prier, c'est la prière de l'aurore. Il fallait que je sois en contact, n'est-ce pas, avec mes enfants spirituels et mes amis du Facebook. Ok. Donc je suis là pour une tournée européenne. On ne cessera pas de répéter ça, parce que la répétition, elle est pédagogique. On ne cesse pas de répéter. Une tournée européenne. Il y a aussi, par la grâce de Dieu, sur Dieu voulant, je serai aussi au Canada. J'espère que vous avez déjà mon programme. J'ai même dit qu'aujourd'hui commençait les entretiens en famille. Les entretiens en famille, vous appelez Honorine Osso pour être en contact avec elle pour les différents programmes dans les différentes familles et on aura l'occasion de visiter d'ici quelques jours les différents états dans les programmes. New York, Texas. Voilà, Texas. Voilà, il est matin. Je vais vous parler de comment le chrétien entretient sa relation avec Dieu. Ça, c'est très important. Le chrétien entretient sa relation avec Dieu. Dominique Ofori, Shalom Dadi. Oui, Shalom à toi. Comment entretenir sa relation avec Dieu? Ça, c'est vraiment très important. Il faut que je vous parle un peu de ça. D'abord, quand on est chrétien, le mot chrétien, Jésus l'a jamais prononcé. Il faudrait le savoir. Jésus n'a jamais dit chrétien, Jésus a dit disciple. Voilà, c'est le principe sur lequel je me basais tout à l'heure pour parler, donner mon enseignement. Jésus a dit disciple. Or, dans la signification d'un disciple, il y a ce qu'on appelle discipline. Quelqu'un qui est discipliné ou celui qui suit l'enseignement du maître, d'un maître. Voilà, dans l'enseignement du maître. Donc, c'est de ça que je vais vous parler tout à l'heure. Jésus dit allez et faites des nations des disciples. Jésus n'a pas dit allez et faites des nations des chrétiens. L'expression chrétien, c'est un mot, n'est-ce pas, de thème de Montkéry, Antioche. Quand les gens ont vu les disciples de Jésus-Christ, ont dit voici ceux qui ressemblent comme Jésus. C'est-à-dire, voici les chrétiens. C'est-à-dire, c'est un thème Montkéry, voici ceux qui ressemblent comme, qui font comme Jésus, qui font comme petit Christ. Sinon, en réalité, Jésus a dit disciples. Donc, un disciple, c'est celui-là qui entretient une relation avec un maître, son maître, c'est-à-dire qui fait comme le maître, qui suit les ordres du maître. Alors, Jésus-Christ nous dit, allez et faites des nations les disciples. Ça veut dire, quand Jésus-Christ t'a touché, parce que le fait d'être touché par Dieu, c'est une grâce. Ça ne vient pas d'une personne. Ce n'est pas une personne qui attire. Jésus-Christ dit, nul ne peut venir à moi sans que le Père l'attire. Et c'est ça. La conversion est un miracle. C'est le plus grand des miracles de voir quelqu'un se convertir. Nul ne peut venir à moi, a dit le Christ, sans que le Père ne l'attire. Donc on est déjà prédestiné pour le royaume. Le fait de venir, je crois, c'est une grâce de Dieu. Je prends mon exemple. J'étais musulman, enfant de musulman. Et Jésus-Christ s'est révélé à moi, il m'a convaincu, parce que c'est la Bible qui dit, il convainc du péché, du jugement et de justice. Du péché, le péché pour te montrer ton état dans lequel tu te trouves. De justice pour te dire, voici la voie à suivre. Et le jugement pour te dire, sans lui, tu iras en enfer. Donc celui qui convainc et celui qui attire et qui donne cette conviction de devenir enfant de Dieu. Voilà, donc il faudrait comprendre. Mais en même temps qu'il t'appelle pour devenir enfant de Dieu, il te charge une mission. Donc chacun d'entre nous, en tant que croyant, en tant que chrétien, chargé d'une mission
Allez, quand vous prenez la parole de Dieu, dans le livre de Matthieu 28, verset 19, il dit, allez et faites de toutes les nations les disciples. Allez. Donc ça veut dire que c'est l'ordre. En tant qu'un disciple, c'est l'ordre qu'on a reçu de Dieu, notre Père Christ, d'aller encore nous autres parler de Dieu et faire des nations les disciples. Faites d'eux les disciples. Voilà. Donc, si le prophète Crasso se trouve aux États-Unis, c'est dans cet esprit-là d'aller annoncer l'évangile. Voilà. Parce qu'il a dit, vous serez mes témoins. Voilà. Témoins à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. À Judée, à Jérusalem, Judée, Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Donc, un croyant, un véritable disciple de Jésus, c'est celui-là qui prêche Jésus-Christ autour de lui. Voilà, c'est celui-là qui est témoin de Jésus-Christ autour de lui. Alors, quand tu es converti, tu dois être à mesure, toi-même, d'amener les gens à comprendre la puissance et la souveraineté de Jésus-Christ. Et que tu dois aussi utile entre la main du Seigneur pour que les âmes perdues puissent croire en lui. Puissent croire en lui. Puissent être des véritables chrétiens. Bon, du moins, disciples. C'est ça. Voilà, donc c'est un peu ça. C'est un peu ça qui est plus important. Voilà, donc quand Dieu nous appelle, c'est pour aussi être aussi disciple. Donc un disciple, c'est celui qui suit l'enseignement du maître. Toi, tu es converti pour quoi? C'est de gagner des âmes. C'est d'aller gagner des âmes. Voilà. Maintenant, en tant que croyant, en tant que disciple de Jésus-Christ, la seule chose que tu dois faire, c'est d'entretenir cette relation entre toi et ton Créateur. Ben, c'est pour nous, Jésus-Christ est Dieu. Ça ne se discute pas. On ne rentre pas dans les polémiques. Voilà, ça ne se discute pas. Christ, Jésus-Christ est Dieu. Point barre, ça ne se discute pas. Voilà, donc, c'est d'entretenir les relations. Donc, quand un croyant, un disciple dort, en va de dormir, il prie d'abord. Il confie sa couchette au Seigneur. Parce que, frère, la nuit, vous voyez, comment les puissances des ténèbres travaillent dans la nuit. Comment les puissances des ténèbres travaillent dans la nuit. La nuit. Donc, il faudrait entretenir cette relation-là. Avant de dormir, il faut d'abord prier. Maintenant, quand tu te réveilles, comme je viens de me réveiller ce matin, d'abord, Dieu, Jésus, il est l'alpha et l'oméga, c'est-à-dire le commencement et la fin. Il met le début et tu le mets à la fin. Donc, quand tu es un disciple, un croyant, se réveille, la première action, d'abord, c'est de remercier le Seigneur qui l'a protégé durant toute la nuit. Vous comprenez très bien. C'est de prier Dieu qui l'a protégé toute la nuit. Et maintenant, après cela, tu entretiens maintenant ta vie de prière. Et l'heure la plus bien indiquée, c'est 3h30, 4h. C'est ce qu'on appelle l'aurore. C'est à partir de ces heures-là que s'ouvrent les portes de la journée. Voilà, 3h30, 4h. Les musulmans même savent déjà ça, ils prient. 3h30, 4h. Donc, ta relation avec Dieu, ici déjà, il est en train d'être 5h, il est à 4h. Moi, je suis déjà réveillé vers 3h du matin pour entretenir ma relation avec Dieu. Et ça, c'est très important. C'est très important pour un croyant d'entretenir sa relation avec Dieu. Parce que c'est ce contact-là entre l'être humain et le Créateur, n'est-ce pas, qui lui donne assez d'énergie spirituelle pour aborder la journée. Ah, la journée a été mauvaise, mais tu as démarré la journée avec qui? S'il faut se réveiller et s'asseoir, appuyer sur, la télécommande, regarder la télévision, ou même écouter une chaîne de radio, sans toutefois ne pas prier, ça veut dire que tu commences une journée sans Dieu. Ça veut dire que tu commences une journée sans Dieu. Tu dois t'attendre aussi à n'importe quoi au cours de la journée. Parce qu'on ne peut pas démarrer une journée sans Dieu. Quand vous lisez la parole de Dieu, il dit, sans moi, vous ne pouvez rien. Dans Jean, il dit, sans moi, vous ne pouvez rien. Maintenant, vous démarrez la journée, vous savez, pensez que Dieu, il doit venir te forcer à prier. Dieu ne force pas les gens à prier. Parce que le salut, c'est une question de conviction. C'est une question de conviction qu'on reçoit de Dieu.
C'est-à-dire que tu reçois cette conviction-là et tu crois qu'il est ton Dieu et tu entretiens cette relation. Personne, Dieu ne te forcera pas. Mais, je vous dis, la prière, elle est importante. Il ne faut pas que quelqu'un vienne brouiller votre relation. Cette vie de prière-là, en 3h et 4h, 3h30, on appelle ça la prière de l'aurore. Personne ne vient doit brouiller ça. Quand vous vous réveillez matin, vous devez entretenir cette relation avec Dieu. Oui, parce que c'est quand vous priez que vous avez assez d'énergie spirituelle pour aborder la journée. Si vous n'avez pas cette relation de prière, mais là, toute la journée est gâchée. Oui, ça je vous dis la vérité. Oui, on dit, il dit avec Dieu. Quand vous lisez le psaume 60, verset 14, avec Dieu, vous ferez des exploits. Avec lui, il y a de l'espoir. Donc, les gens se réveillent. C'est une journée pas possible, difficile, parce que moi je me dis, on n'a pas d'abord pris la peine en se levant de confier, n'est-ce pas, des choses à Dieu. Ça n'exclut pas les attaques, mais quelqu'un qui a une relation, une intimité avec Dieu, qui se dit avant de sortir du lit, avant de parler avec qui que ce soit, et puis ça c'est très important, avant de parler avec qui que ce soit, de même parler avec qui que ce soit, je dois entretenir cette relation de prière avec le Créateur. Je dois entretenir cette relation de prière avec le Créateur. C'est pour cela que d'autres personnes ont des journées kamikazes, des journées terribles, parce que ils ne se rendent pas compte que Dieu, l'absence de Dieu dans leur vie, leur expose à des grands dangers. Et le fait qu'ils ne donnent pas cette permission, parce que Dieu nous respecte, le fait qu'ils ne donnent pas cette permission à Dieu de conduire leur journée, Dieu est limité dans sa manifestation. Si vous pouvez me prêter les mots, c'est vrai ce que je veux dire. Parce que c'est à toi de dire, Dieu conduit ma journée. Dieu bénit ma journée. Vous pensez que c'est le prophète Crasso qui doit prier pour toi quand tu te réveilles matin? Non. Tu dois entretenir ta vie de prière. Et ça, c'est très important. Le jour où tu négliges ta vie de prière, Satan va venir t'embrasser. Et vous savez bien le bisou de Satan, ce que ça fait au cours de la journée. Ça va vous créer pas mal de merde tout au long de la journée. David dit dans le psaume 23, le bonheur et la grâce m'accompagnent tous les jours de ma vie, parce que l'Éternel est mon berger. Il confie toujours sa journée à Dieu. Tu t'es levé matin, est-ce que tu as prié? Est-ce que tu as recommandé ta journée au Seigneur? Et donc quand un croyant se lève, il doit prier. Le jour où tu refuses de prier, mais ce n'est plus Dieu qui va te diriger au cours de la journée. Donc tu ne lèves pas matin pour dire Seigneur merci parce que tu m'as bien réveillé en bonne santé, les sorciers ne m'ont pas attaqué, je n'ai pas fait de cauchemar. Non, ce n'est pas une question de ne pas faire de cauchemar, c'est une question de tu te lèves matin, tu lui dis merci et tu entretiens ta vie de prière. Tu commences à prier. Vous allez me dire, mais comment on prie? Ah oui, très belle question. Comment il faudra prier? Parce que si tu comment il faudra prier? C'est très important. Le comment prier, d'abord je vous explique. L'aurore, vous voyez, c'est ce qui vous ouvre les portes de la journée. L'aurore, là, c'est ce qui vous ouvre les portes de la journée. C'est à partir de l'aurore que les portes s'ouvrent. Nos parents, nos amis musulmans, ils le savent déjà. C'est nous les chrétiens qui négligeons un peu ça. Paul dit, David dit, je dévance l'aurore. Ça dit, je précède l'aurore et je crie. Donc, ça dit, quand vous réveillez le matin, après avoir dit merci à Dieu, et ça, c'est très important. Ce sont les gens ingrats, inconscients, qui ne disent pas merci à Dieu. Le fait que toi, tu as dormi, la mort, le sommeil, vous voyez là, c'est comme une petite mort. Tu as ronflé tout le temps, tu as joué ton concert jazz. Tu ne savais pas où tu trouvais. Tu te lèves, tu vois. Il fait un jour peut-être où tu t'es réveillé. Ce qui t'a permis d'être dans le lit et de te réveiller, c'est Dieu. Ce n'est pas ton intelligence, ce n'est pas ce que tu es qui t'a amené à être là. C'est Dieu qui t'a amené à être là. Donc, matin, vous priez. Et c'est ce qui sera plus intéressant. Quand tu dis merci à Dieu, la nuit, voyez, la nuit, les forces du mal travaillent. Le diable, il travaille la nuit. Il travaille beaucoup la nuit.
Et quel genre de boulot il fait la nuit? Ce n'est pas vigile. Hein? Le diable, ce n'est pas un vigile la nuit. Non, non, non. Il travaille dans le but de te mettre en retard. J'explique très bien. Le diable travaille la nuit. C'est les forces des ténèbres, les forces du mal. Donc la nuit, le diable, lui, travaille. À partir de minuit, il rentre en activité. Sachant que toi, tu dois être reçu. Sachant que tu as un projet de mariage, il va gâter. Sachant que toi, tu dois voyager. Sachant qu'il y a tellement d'opportunités, il y a trop de choses. Lui, il rentre en activité. Il est adversaire des amis de Dieu. Il est un ennemi, le diable. Et donc, la nuit, pendant que toi, tu dors, comme la dame a dit, pendant que je dormais, cette dame, ma copine, cette dame, les deux prostituées qui étaient dans la même maison, cette dame m'a ravi mon enfant. Son enfant est mort, elle est venue m'arracher. Donc, j'ai eu un troc. Il y a un troc qui s'est fait dans la nuit. Sauf cela que les grands, ceux qui remportent les grandes victoires, ce sont ceux-là qui prient, qui sont toujours en train de prier. Donc, dans la nuit, il vient, il programme. C'est un système. La vie, vous voyez, c'est fait de programmation et de programmation. Tu vas aller à une ambassade, c'est une programmation. Tu vas aller prendre un billet d'avion, on le sait déjà. Les gens savent que M. Crasso, Djoro, Joël, Shalom, le monsieur là, il a déjà pris le billet d'avion, il doit être en si tel vol. Rien n'est... Non, l'improvisation n'existe pas. Tout ce que... Non, ça n'existe pas. Même si tu veux prendre le billet d'avion aujourd'hui, même si c'est 20 personnes, les gens sauront même qu'il y a 20 personnes. Et parmi les 20 personnes, il y a le prophète, il y a Crasso, Djoro, Joël, Shalom, qui serait dans le vol Air quoi, tant, Boeing, tant. Voilà, donc la vie, vous voyez là, c'est fait de programmation, de programmation. Tu ne veux pas comme arrêter, non. Donc, le diable, la nuit, sachant que Krotumu, Matogoma, Joël, René, Tapé, Dibé, Seru Bappé, c'est les noms bizarres. Il vient, il te regarde, il dit, mais Seru Bappé va avoir son oncle, va l'envoyer de l'argent, 500 000 francs pour son projet. Donc, Seru Bappé, lui, il est là, il attend l'argent. Seru Bappé attend l'argent pour entretenir son cacao. Seru Bappé. Et comme il ne prie pas, le sorcier a vu ça. Et écoutez, le diable, vous voyez là, il sait ce que tu dois devenir. Il connaît ton devenir. Il sait tout. C'est ça la différence. Donc, la nuit, qu'est-ce qu'il fait? Il vient, il annule ce projet-là. Il va, il touche ça. Celui qui a envie de te donner, là, il annule ça. Donc, matin, tu attends. Salut Bappé attend l'argent. Et du coup, l'argent ne vient pas. Parce qu'il mélange celui qui doit être donné l'argent. Parce que dans la nuit, le sorcier est venu, il a annulé ça. Cet argent-là, il annule. Il ne faut pas que tu aies l'argent. Donc, il annule ça. Donc, en toi, et celui qui doit t'envoyer l'argent, il met des bruits. Le gamin t'oublie, ou bien il a un petit bobo, et il ne peut plus te donner l'argent, et tu penses que le gars est méchant, mais parce qu'il y a eu quelque chose qui a été fait dans la nuit, par les forces des ténèbres, par la sorcellerie. Il y a des choses qui ont été faites dans la nuit, par la sorcellerie. Parce que c'est la programmation. Les sorciers, vous voyez, ils ne dorment pas, frère. Ils ne dorment pas, frère. Ils ne dorment pas, ma fille. Ils ne dorment pas. Que vous voulez ou pas, ils vont toujours être à votre trousse dans le but de vous retarder. Ils savent. Vous pensez qu'ils sont étrangers de vos projets, vous pensez qu'ils ne savent pas? Ils savent. Donc il vient, il annule. Tu dois avoir une relation, il annule ça. Parce que tu n'as pas cette capacité-là de prier. Donc eux, ils annulent ça la nuit. Ils travaillent avec toute la confrérie. Donc dans chaque famille, il y a toujours un membre. Il y a toujours un sorcier. Voilà, il y a toujours un sorcier. Donc, dans la confrérie, ils se mettent ensemble. Hein? Il les a dit. Il a dit, oh. Il dit, ok. Série que tu vois là, c'est ton frère. Il dit, oui. Série là, tu as vu la caméra, non? Tu sais qu'il doit se marier. Et la femme, elle est bien, hein? Il faut qu'on annule. Donc, eux, ils travaillent dans le but de nous mettre en retard pour ne pas qu'on soit en joie. C'est pour ça qu'il ne faut pas en vouloir aux gens.
Il faut comprendre que c'est tu as perdu ça parce que tu n'as pas une vie de prière. Donc, ils prennent ça, ils annulent, ils mélangent la relation entre toi et X, ils mélangent cette relation parce qu'il y a quelque chose qui a été fait dans la nuit. Voilà, c'est ce qu'on sème qu'on récolte. Et eux, ils viennent, ils mélangent, ils s'attendent à quelque chose qui est gâté. Donc, matin, qu'est-ce que tu dois faire quand tu te lèves matin? Voilà. Eux, ils travaillent, non, ils annulent. Ils annulent ton programme, ils annulent ta relation, ils annulent ton argent, ils annulent tous tes projets. Ils annulent tout. Ils annulent tous tes projets, ils annulent tout. Ils annulent. Maintenant, eux, ils annulent, non? Mais écoute-moi très bien. Le diable, il n'est pas plus puissant que Dieu. Je pense que tu vas me dire amen. Si tu te suis très bien et que tu es d'accord avec ce que je dis, tu vas peut-être me dire amen pour ça. Le diable, là, il n'est pas plus puissant que Dieu. Vous avez l'impression que vous échouez. Et vous pensez que Dieu, il n'a pas eu, vous n'avez pas eu l'aide de Dieu. Tu n'as pas eu l'aide de Dieu parce que toi-même, tu as négligé certaines choses. Pourquoi? Écoute-moi très bien, pourquoi? Parce que la prière, là, Dieu ne devrait pas venir chanter Allah dans ton oreille, puis tu allais prier. Tu dois savoir que c'est important. Tu dois savoir que la prière est importante. Or, la prière est une arme puissante. Il a l'arme puissante entre la main de Dieu pour résoudre ton problème, pour résoudre toutes sortes de problèmes. Dieu attend que tu pries. Et c'est à partir de la prière qu'il rentre en activité, qu'il agisse. Si tu dors, ça veut dire que tu es d'accord avec ce que le diable est en train de faire sur ta vie. Tu es d'accord avec ce que le diable fait. La programmation de mort qu'il est en train de faire, tu es d'accord avec. C'est pour ça que tu dors. Tu es d'accord avec l'échec dans ton mariage. Tu es d'accord avec la pauvreté. Tu es d'accord avec tout ça. Donc, tu as dit, tu acceptes que le diable travaille. C'est pour ça que tu dors. Or, si tu dors, que tu ne pries pas, Dieu ne fera rien pour toi. Ouais, Serge, docteur. Bonjour, mon fils. C'est pour ça que quand vous vous réveillez matin, vous devez prier. Sinon, ce n'est pas Dieu, n'accusez pas Dieu. Il peut venir te frapper une maladie parce que tu n'as pas prié. Or, vous voyez la négligence. Dieu, la spiritualité n'aime pas la négligence. La spiritualité n'aime horreur de la négligence. Tout ce qui est bon est attaqué. Tout ce qui est bon. Tout ce qui est bon est attaqué. Tout ce qui est bon. Tu fais des projets, tu es content pour quelque chose, tu penses avoir la chose, mais le diable va attaquer. Il va t'attaquer ça. Oh, il faut entretenir ça dans la prière, dans la douceur, dans la prière. C'est dans la prière pendant que le diable programme. À partir de minuit jusqu'à 3h30 du matin, il arrête son activité. Je vous enseigne maintenant quelque chose. À partir de 3h30 du matin, le diable arrête de travailler. Pourquoi? Parce qu'il y a l'aurore. L'aurore, c'est ce qui fait la transition entre la nuit et le jour. Quand vous voyez un remaniement ministériel, avant que le nouveau ministre ne prenne le pouvoir, il y a ce qu'on appelle la passation de service. On a vu ça ici aux États-Unis, Obama et Trump, il y a eu passation. Donc, la nuit, vous voyez, la nuit s'arrête dans sa course à partir de 3h30 du matin. La nuit s'arrête dans sa course. Or, la nuit annonce déjà le jour. Or, le jour, la nuit doit donner les dossiers de la nuit au jour pour rentrer en exécution. Parce que tout se travaille dans la nuit, tout se fait dans la nuit. C'est la nuit là qui va dire au jour, voici le dossier que je te présente. À telle heure du matin, à 10h, Zadi Bapé Tapé doit mourir parce que les sorciers l'ont déjà mangé avec leur marmite. Ils l'ont mangé la sauce d'A. Dabrou et sauce arachide, c'est la meilleure sauce. Malheureusement, je suis au régime. Vous voyez la soeur Honorine Nonso, sa sauce, restez tranquille. Je vous invite, si vous la voyez, dites-la de faire une sauce. Si vous êtes en jeûne, vous allez couper le jeûne. Donc, c'est la nuit, ils disent, parce que la nuit, ils appellent ton âme. Ils appellent, disent, non, ça a été déjà fait. Oui, dans le monde spirituel, c'est fait. C'est déjà fait. C'est déjà fait.
La nuit, à partir de 3h30 du matin, le dossier, on dit tiens. Or, c'est à cette heure que toi, tu dois te réveiller. Si tu es d'accord avec moi, dis Amen. Si tu es d'accord avec moi, dis Amen. C'est là, toi, enfant de Dieu, tu dois te réveiller. Quand tu te réveilles à 3h30 du matin, tu lèves ta main vers le ciel. Parce que la Bible dit tout ce que tu délies sur la terre est délié dans les cieux. Et tout ce que tu lis est lié. Donc, eux, ils ont programmé. Ils ont dit, à 9h, tu vas mourir. Ils ont préparé le dossier. Ils ont préparé le dossier pour donner ça à la journée. Parce que c'est la programmation, vous voyez, à 9h, il est mort d'une mort bizarre. Boue. C'est déjà programmé. Ce n'est pas le fait des hasards. Que ça soit à 10h, que ça soit à 9h, que ça soit à 21h. Une chose bizarre le touche comme ça. C'est programmé déjà. Dans les grandes radios, ce qu'on appelle le playlist, à telle heure, tel morceau doit passer, telle heure, tel morceau, c'est déjà programmé. Mais tu as dormi dans ton concert jazz. Bien le tu as dormi. Ça t'a dépassé. L'aurore a donné le dossier au jour. Donc le jour au bien d'exécuter. Puisque entre cette transition-là, de minuit, de 3h30 à 4h, il n'y a pas eu de prière. Or, c'est à cette heure-là. C'est à cette heure-là. Tu dois te lever dans la prière. Et quand tu te lèves dans la prière, voici ce que tu dois faire. Voilà, voici maintenant ce que tu dois faire. Tu déprogrammes tout ce qu'ils ont fait contre toi la nuit. Peut-être qu'ils ne savent pas. Qui ne sait pas. Tu dis, au nom de Jésus, au nom de Dieu, au nom de Dieu, je déprogramme toute la programmation du diable contre ma vie, la sorcellerie contre ma vie. Programmation de destruction de mon entreprise. Je déprogramme, j'annule ça. Que mon entreprise ne soit pas détruite. Programmation de destruction de mon foyer ou de ma relation. Je détruis ça. Au nom de Jésus. Et c'est chaque jour. Chaque jour, tu dois le faire. Je libère mon foyer. Je libère ma maison. Je libère mon foyer. Je libère ma maison. Je libère mon entreprise. Je libère mes finances. Tout ce que la sorcellerie a programmé durant la nuit contre moi, je déprogramme ça. Parce que c'est ça. Quand tu déprogrammes, automatiquement, les choses se passent dans le monde spirituel. Le dossier que le roi avait, le dossier de la sorcellerie qui devait donner au jour, tout s'efface. Tout s'efface. Les clients, ils avaient bloqué qu'ils ne devaient pas venir dans ton entreprise. Ces clients-là commencent à prendre de l'argent. Les gens, l'argent, les gens qu'ils avaient empêchés pour ne pas te donner l'argent. Parce que tout se programme. Comme tu as déprogrammé, le sorcier m'étonnait de voir ce qu'il a gâté, être bien dans la journée. Il est surpris qu'à 10 heures, il avait programmé ta mort à 10 heures. Et à 10 heures, il comprend que tu es vivant. Zadik Bappé Grégoire est vivant. Il ne comprend pas. Oh, tu as aussi un secret. Eux, ils ne dorment pas, ils prient, ils travaillent pour te nuire. Mais toi, tu as le pouvoir de Dieu pour déprogrammer la mort, pour déprogrammer tout système de destruction contre toi. Si quelque chose t'est arrivé, c'est toi-même qui as voulu que ça t'arrive. C'est toi. La Bible dit que l'âme avec laquelle nous prions, elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. La prière, elle est puissante. Ton foyer est gâté parce que tu ne pries pas. Ton travail ne se gâte parce que tu ne pries pas. Ou parce que, attendez, vous n'allez pas faire d'efforts. Et puis Dieu, il va vous prendre, va vous cajoler comme ça. Bébé, il va prendre. Tiens, Baka, tu as mangé. Puis tu ne fais pas d'efforts. Il n'est pas malade. Dieu n'est pas comme ça. Vous comprenez? Donc, quand eux ils travaillent la nuit, nous travaillons dans la journée, nous déprogrammons. C'est-à-dire à partir de 3h30 du matin,
quand tu te lèves, tu déprogrammes la mort. Tu déprogrammes la mort. La mort doit être déprogrammée. Le système que le diable attaque pour détruire ta destinée, c'est la mort et la pauvreté. Donc, vous déprogrammez. Et c'est chaque jour. Si tu le fais, tu verras toujours la puissance de Dieu te conduire dans ta destinée. Tu verras la puissance de Dieu conduire ta destinée. Ce n'est pas normal qu'on échoue dans le Seigneur. Tu peux avoir des moments d'épreuve, mais échouer, ça n'existe pas dans le Seigneur. Ça n'existe pas. Vous dormez. Or, à 3 heures, le diable travaille. Il a déjà communiqué la mort. Il a déjà programmé la mort contre toi. Il a déjà programmé les choses contre toi au cours de la journée. Mais ça va arriver. Vous savez, il y a des gens même là. Chaque jour, ils te maudissent. Tu ne sais pas. Ils disent des choses négatives sur toi. Lui là, je n'aime pas sa tête. Je ne veux pas qu'il le ressuscite. Mais tout cela, c'est une forme de sorcellerie. Il y a des gens qui regardent ta photo. Ils ne savent pas dans le secret. Ils sont en train de te maudire. Mais ils ont fait des choses. Toi aussi, tu dois déprogrammer la chose faite sur toi. Sauf là qu'à 3h30, ne jouez pas ça. C'est maintenant qu'il est 5h15 ici, aux États-Unis. Moi, déjà à 3h30, c'est comme un tic. Je me réveille déjà pour prier. Que tu veux l'eau, tu ne veux pas. Il y a des gens qui n'aiment pas ta tête. Moi-même, là, il y a lui, là, je n'aime pas sa tête. Tu ne vas rien faire parce que ce qui est en lui, c'est mauvais, il n'aime pas. Il n'aime pas. C'est un sorcier, il n'aime pas. Il n'aime pas ta tête. Il n'aime pas ce que tu fais. Et quand quelqu'un n'aime pas ce que tu fais, donc si vous ne savez pas ce qu'il fait dans le secret, il prie contre toi. Il s'élève contre toi. C'est pour ça qu'il ne baisse pas les bras et ne donne pas raison aux ennemis. Ne donne pas raison à tes ennemis qui veulent te voir trébucher, qui veulent te voir en genoux, humilié. Ne leur donne pas raison, s'il te plaît. Ne donne pas raison à tes ennemis, s'il te plaît. Ne leur donne pas raison. Ne leur donne pas raison, s'il te plaît. Sois un homme de prière. Ne lâche pas la prière. Le jour où tu lâcheras la prière, tu verras le diable accomplir ce qu'il a envie d'accomplir. Lui, il est un programmateur. Nous avons le pouvoir de la déprogrammation. Qui dit mieux? Nous avons Jésus-Christ dans notre vie. Lui, il est qui? Il a été vaincu à la croix. Dieu au-dessus de la sorcellerie. Dieu au-dessus de la sorcellerie. Dieu au-dessus du pouvoir du mal. Donc tu prends la puissance, la parole. C'est la parole. Quand vous lisez la parole de Dieu, on dit au commencement était la parole et rien n'a été fait sans la parole. Donc pour que les choses rentrent en exécution, c'est la parole. N'annule la mort qu'il a programmée contre toi. N'aie pas peur. Annule cette mort. Mais réveille-toi à 3h30 du matin et 4h. Ces heures-là, annule la parole. Ne donne pas raison à ton diable. Il ne faut pas donner raison parce qu'ils veulent te voir mourir. Ils ne veulent pas que tu sois heureux. Tu peux rien changer là. Parce qu'il est enfant du diable. Lui, il veut te voir trébucher. Il ne veut pas que tes affaires marchent. Il ne veut pas. Donc chaque nuit, il y a des gens, mais chaque nuit, il prend ton nom pour parler. Chaque nuit, il parle sur ton nom. Chaque nuit, il parle sur ton nom. Chaque nuit, il parle sur ton nom. Il y a des gens, depuis qu'ils ont commencé les prières de l'aurore, de 3h à 4h, date de programmation, mais ils sont bénis. Il y a plein de témoignages. Il y en a plein de témoignages. Vous voulez dormir? Vous voulez dormir? Et pourquoi? Un enfant de Dieu doit entretenir sa relation avec Dieu. Quand il se réveille matin, c'est Dieu. Qui se réveille matin, c'est Dieu. Qui doit être au centre. Mais en même temps, il faut comprendre qu'en disant merci à Dieu, la nuit s'est passé quelque chose, il y a eu la programmation du diable, des œuvres du diable dans ta vie. Donc annule tout ce qu'ils ont fait la nuit contre toi, les programmations qu'ils ont fait contre toi, annule ça. La mort, la pauvreté, la misère, tout ça annule. Tout ce qui va t'arriver se passera d'abord dans la nuit. Tout ce qui arrive aux gens commence la nuit. C'est dans la nuit que les choses se passent. C'est dans la nuit que les choses se passent, dans la nuit. Et après avoir annulé, bien sûr, la deuxième étape, que la prière matinale, là, aujourd'hui c'est le 10, je crois bien, le samedi 10,
je crois très bien, le samedi 10 juin 2017. Maintenant, j'ai annulé, non? C'est ça? J'ai annulé la mort, non? J'ai annulé la pauvreté, j'ai annulé tout ce qu'ils ont programmé pour empêcher les clients de venir, patati patata, j'ai annulé tout ça, non? Ok. Maintenant, je m'adresse au jour, la journée là, d'aujourd'hui là. Ça doit m'envoyer l'argent. Ça doit m'envoyer des bonnes personnes. Frère, évitez de marcher des gens bizarres. Sinon, vous deviendrez bizarre. La mauvaise compagnie corrompt les bonnes mœurs. Moi, je n'ai pas affaire aux gens bizarres. Je suis désolé. Il faut que Dieu me fasse rencontrer des gens, des bonnes personnes qui vont m'aider à rentrer dans ma destinée. Il y a des gens bizarres qui viennent comme ça. C'est comme des parasites. Ils rentrent dans ta vie pour te sucer comme des sangsues. Il faut dire à Dieu, je ne veux pas, au cours de cette journée, avoir une mauvaise connexion. Parce qu'il y a des mauvaises connexions. Il y a des gens que le diable envoie contre toi, dans ta vie. Et tu penses que c'est un bienfaiteur. Tu penses que c'est quelqu'un de bien. Or, il va te montrer qui a mis sucre d'aubergine. Qui a rendu djunglé sucré. Djunglé là, qui a fait que c'est sucré là, il va te montrer ça. Il vient dans ta vie. Comme ça. Je te montrer qui a mis sucre dans du blé. Donc c'est les gens. Il faut avoir le discernement. Je vais avoir des pompes. C'est l'homme qui fait l'homme. C'est l'homme qui fait l'homme. Quand tu rencontres un bon mari, tu deviens une bonne femme. Tu es une bonne femme, tu deviens un bon mari. C'est vice versa. Donc lui qui était rencontré dans ta vie là, il est là dans ta vie pourquoi? C'est pour ça qu'au cours de la journée, dit Seigneur, j'aimerais au cours de cette journée rencontrer des merveilleuses personnes. Parce qu'il faut amène-moi des personnes qui vont m'aider à rentrer dans ma destinée au cours de cette journée. Et ça, c'est très important. Quand vous ne rencontrez pas des bonnes personnes, ils vous détruisent. Même dans une équipe, c'est pour ça qu'il faut avoir le discernement. Dans une équipe, quand des personnes ne sont pas... Il y a des gens qui viennent, ils font semblant, il va te montrer qui a mis sucre dans le djunglé. Ils sont là pour vous montrer qui a mis sucre dans le djunglé. Djunglé est sucré, tu vas voir qui a mis sucre dedans. Donc, Dieu amène-moi. Donc, Dieu envoie des gens, il envoie des gens pour t'aider. Il envoie des gens pour t'aider. Ces personnes, elles viennent, qu'elles viennent dans ta vie, elles sont là pour t'aider. Tu sens que lui là, il est dans ma vie là, ça avance. Il y a des gens qui sont là. Parce que, au cours de la journée, tu n'as pas déprogrammé. Seigneur, je ne veux pas avoir une mauvaise connexion. Je ne veux pas avoir une mauvaise connexion. Il faut qu'il y ait une bonne connexion au cours de cette journée dans ma vie. Dieu t'a envoyé des personnes pour te faire rentrer. Qu'on appelle Saül a dit. Samuel a dit à Saül, lorsque tu me quitteras, tu rencontreras des gens près du sépulcre de Rachel qui t'indiquera le chemin. Moi, je veux des gens pour m'indiquer le chemin, pour me conduire sur ma destinée. Comment je vais avoir l'argent? Comment je vais entreprendre? Comment je vais réussir dans mon ministère? Pas les gens qui vont venir manger pour ne rien faire, qui seront inutiles dans ma vie. Ah non, 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 non. Frère, ce n'est pas une question de tes méchants, non. Tu sais avec qui tu marches? J'ai besoin de quelqu'un qui va m'aider. La Bible dit que le jour où Isaac a rencontré Rebecca, il a cessé de pleurer. Or, Isaac veut dire sourire, le sourire. Il a perdu sa mère, Sarah. Elle était tout pour sa son, tout. Sa mère représentait tout. Quand sa mère est morte, son père ne pouvait pas le consoler. Personne ne pouvait le consoler. Personne ne pouvait consoler Isaac qui veut lui sourire. Personne ne pouvait le consoler. Pleurait. Son papa regardait lui là. Il a regardé quand il dit, attends, je vais te montrer qui a mis sucre dans Gimblé. Tu vois, comme ça, tu vas comprendre. Il pleure. Maman. Niao. Biao. Son papa dit, attends. Qu'est-ce qui se passe? Il pleure. Personne ne peut le consoler. Niao.
Ni aussi c'est un bêtise, là, c'est grave. Il va coincer le mur, la tête est le mur, et puis c'est mal barré. Miao, 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 nia mort. Et Isaac, nia mort. Nia mort. Il dit nia là, il n'a pas l'oublié. Ben, est-ce qu'elle fait? La personne ne fait ça encore. Miao. Son papa, petit. Qui peut consoler mon petit? Il a envoyé son serviteur dans sa maison. Et il tombe sur Rebecca. Et cette femme Rebecca là, frère, soeur, il faut être Rebecca. Il faut être Rebecca. Il tombe sur Rebecca. Elle est venue puiser de l'eau pour aller donner à manger le soir à ses parents. Elle n'avait rien à voir avec la destinée. Elle n'avait rien à voir avec cette histoire. Elle tombe sur le monsieur. Il a dit dans son cœur, celui qui me donnera à boire et à boire à mes 10 chameaux. Frère, 10 chameaux assoiffés. 10 chameaux qui a soif, les dromadaires. Vous connaissez les dromadaires? Un dromadaire, quand il n'a pas encore soif, il boit un barrique. On dit une barrique, une barrique d'eau. Une barrique d'eau. Dromadaire, chameau là. Ça n'a pas soif. Ça veut goûter l'eau. Comme nous, on prend de l'eau là. C'est une barrique. Si ça a soif là, vous dites j'ai soif, c'est 10 barriques d'eau. Donc elle avait affaire à 10 dromadaires assoiffés, plus le maître même. Mais elle a donné à boire, et comme elle prenait de l'eau, elle prenait ça dans le puits, elle puisait. Tu dois avoir un bon mari, tu n'aimais pas Rebecca. Tu n'aimes pas Rebecca. Elle a donné à manger au gars. Il a dit non, cette femme-là, elle est digne de marier mon serviteur. Parce qu'elle en est des qualités. C'est vrai, c'est l'homme qui change, la femme qui change la destinée d'un homme. Et c'est la femme qui positionne l'homme dans sa destinée. Si tu tombes une bonne femme, tu es l'homme béni. C'est notre prière. C'est ça qu'il faut avoir le discernement quand tu es avec les gens. Quand tu commences une relation, tu regardes. Parce que d'abord, écoutez, je vais vous parler d'une chose. Quand vous commencez une relation, c'est pas une femme, c'est l'homme. Quand tu vous voyez, ça te plaît. Ça te plaît. C'est pas une question de prière. Je vais prier et puis le Seigneur va venir et la soeur va marcher comme ça. Matin, elle a embouté. Oh, monsieur, le frère, le Seigneur s'est révélé à moi. Il m'a parlé. Je suis ta femme. Si tu viens devant ma porte, je vais te donner point, tu as fui. Je te dis, tu es sorcière. C'est moi-même, je regarde. Et puis j'apprécie les petits trucs, les designs. Il y a des petits designs à côté. Ça, elle est belle, hein? Ça, c'est important. C'est important. Il ne faut pas vous aller voir ça comme péché. Non, Dieu m'a dit. Moi, je ne crois pas à ça. Hein? Mais quand tu vas dans Raf, dans les boutiques Raf, c'est ce que tu aimes là que tu prends. Moi, je regarde, je sais que le design me plaît, c'est joli, c'est beau. Maintenant, moi, je dis, je mets mes pions, je drague. C'est pas une question de dire prière, le Seigneur va venir, je mets ça en prière, la soeur va marcher, elle va marcher comme ça. Le frère en Christ. Oh, le Seigneur. Elle m'a parlé. Si c'est moi, tu as fait devant moi ça. C'est huile chaude. J'ai chauffé huile. J'ai dit, attends, le Seigneur t'a parlé. Il va plus te parler. Il a t'a parlé. Je m'ai chauffé l'huile. Donc, si on chauffe, je vais sur toi. C'est moi-même qui m'en vais te voir. Et puis, j'apprécie le design. Et puis, j'ai dit, bon, il y a des gens qui sont dangereux en dragage. Tu dragues. C'est pas un péché de dire. Ben, c'est pas un fait d'esprit. C'est pas un pasteur qui a venu draguer une soeur en Christ pour toi. Ça veut dire quoi? Qui a venu draguer une soeur, le pasteur. Toi, t'as la maison, le pasteur va venir draguer. Donc, puis toi, tu as arrivé comme ça. Tu apprécies. Voilà. Donc, c'est ton truc qui sont allés vers. Tu apprécies, il y a des choses. C'est ça qu'il faut être propre. Il faut être propre, il faut être bien designé, il faut être bien designé, propre, les petits trucs, les petits parfums, les petits trucs chics, ça attire.
Ça tient. Le petit qui regarde maintenant, il dit, ah, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Ça bat son cœur comme ça. C'est tout ça là. C'est tout ça là. Moi, je ne peux pas. Une soeur qui va venir dormir, me lever le matin pour dire, le Seigneur m'a dit, oui, le Seigneur m'a dit cette nuit, oh, l'ange, j'ai vu l'ange Gabriel et Michael qui sont venus me réveiller. L'ange était là à côté, Michael était là, le Seigneur est descendu. Tu es une sorcière. Tu es une sorcière. Tu ne peux pas m'avoir ça. Tu ne peux pas me trafiquer, le Seigneur m'a dit. Maintenant, tu es une sorcière, comme ça, mais tu es moche. Tu es là, tu as foulard. Tu ne te brosses pas. Brosse. Moi, j'ai parlé à une femme qui ne se brosse pas. Je suis malade. Dans mariage, il y a pas l'eau aussi dedans. Bon, il y a odeur de bouche là, ça compte aussi. Quand sa bouche est sympa, ça peut te séduire un peu. Mais bouche sans Joe Vampire est venu parler, toi tu dis, le Seigneur m'a dit. Le Seigneur m'a dit. Puis bouche là, on dit à Joe Vamp, c'est moi, tu as venu, le Seigneur m'a dit. Il m'a chauffé Hul pour venir. Vous comprenez? Il m'a chauffé Hul chaude. Ce qui est monté, tu as un témoignage. Le Seigneur m'a dit, tu vas rendre ce témoignage-là. Si tu es quitté, tu vas jouer, tu vas pas jouer le Seigneur. Donc, c'est ton truc qui sont allés vers Rebecca. Quand il a vu le design de Rebecca, il dit, celle-là, elle peut consoler mon petit. Elle peut consoler mon petit. Elle va le consoler. Celle-là, elle est bien. Oui, hein. Ce n'est pas un matin quand vous dites, non, je vais me marier. Et moi, j'attends le temps. Mais je regarde les designs, je regarde, j'observe. Parce que mariage, on joue pas ça. Hein? Quand elle rentre dans ta vie, là, comment tu vois? J'ai dit cerveau et les yeux. Dieu a créé ça. Il y a ce que tu vois et puis le cerveau. C'est ce que tu vois là. C'est ce qui guide le cerveau. Mais c'est le cœur qui décide. Hein? Donc, il y a les petits designs qui doivent rentrer en ligne de compte. Quand ils ont vu le design de Rebecca, elle est gentille, elle est comme ça. Ils ont dit non, celle-là va consoler le petit là. Elle va le consoler. Elle va le consoler. Quand Rebecca, ils ont pris Rebecca, elle est partie. Qu'elle est rentrée dans la maison d'Isaac. Le monsieur a rendu témoignage. La sœur Rebecca a fait que le monsieur a retrouvé le sourire. Ton père dit pleurer, biao, 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 biao. C'est arrêté, bien fini. Il pleure plus, biao, 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 niao, 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 est fini. La sœur Rebecca rentre en action. Elle a fini ça. Les petites caresses des cheveux, les petits, le monsieur, il a oublié, biao, biao, niao, 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 niao. C'est fini. Il est devenu Isaac. Le sourire est revenu. Ce qui dit mieux. Elle a changé la vie du monsieur. Là-bas, tu pleures. Miaou, 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 c'est fini. Rebecca a changé. Miaou, elle a changé ça. Le monsieur, papa rentre. Abraham constate que le monsieur ne pleure plus. Ah, petit, qu'est-ce qui se passe? Le petit dit, ah papa, le témoin est trop puissant. La femme, elle a fini ça. Une bonne femme, elle fabrique un homme. Une bonne femme, elle fabrique un homme. C'est ça qui est la vérité. Le sourire. Le sourire. Donc, quand tu pries, Dieu te fait rencontrer la femme de ta vie. Et tu la remarques dans ses comportements, les gestes. Et tu es d'accord que c'est elle. Et tu es convaincu. Et tu prends le risque. Quand quelqu'un est convaincu, là, vous ne pouvez pas l'arrêter. Hein? Personne ne peut l'arrêter. Personne. Ils n'ont qu'à parler, toi-même tu as vu ta chose, tu es d'accord avec ça. Donc, il ne faut pas que les gens bizarres rentrent dans votre vie, qui vont faire pleurer.
Non, l'homme aussi. Je ne suis pas en train de faire une comparaison entre l'homme et la femme. J'ai dit, la plupart du temps, c'est la femme qui fait l'homme. Ma fille Dominique. Donc, c'est l'homme, c'est la femme qui fait l'homme. C'est la femme qui fait l'homme. Michel, c'est elle qui a fait Obama. Voici nos petits Trump, Macron là. En Côte d'Ivoire, on appelle ça Niaï. T'as la Niaï là. Le petit dit, il est avec ça. Il avait Niaï, il laisse pas Niaï. Il laisse pas la Niaï, il est avec la Niaï. Il laisse pas ça. Toutes les petites filles choco de Paris, le petit Macron dit, il laisse pas Niaï là. Il laisse pas la Niaï. C'est la Niaï là qui a fait Macron, qui a fait qu'il est devenu président. C'est la femme qui fait l'homme. Les femmes de Paris restent tranquilles. Elles ont fini à choquer pour séduire. Mais le petit Macron dit Niaï est vu là. Niaï, ce qui est dans Niaï là. Ce n'est pas dans les petites filles là. Je m'en fous sur mon cas. Il dit, mais lui-même s'en fout, je ne fais pas enfant. La Niaï, elle est déjà là. Tu as fait enfant, une femme, 10 enfants, et puis maintenant elle n'est pas prête pour toi. Tu préfères t'as une Niaï qui peut te comprendre, une Niaï qui peut te fabriquer, une Niaï qui peut te faire. Donc l'âge là-même, on s'en fout de ça. Les gens souvent parlent d'un âge important dans le mariage. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. C'est ce que toi, tu vois là, tes yeux l'ont vu là, ton cœur a parlé. Faut t'engager. Ça te risque et péril. Dans la fête d'âge, là, je ne suis pas dedans. Moi, il y a une autre manière de comprendre la vie spirituelle, la vie chrétienne. Si la Niaï t'a plu, continue à la Niaï. C'est ce que tu as vu là. On ne se marie pas pour faire des enfants, on se marie parce qu'on a rencontré l'amour. Maintenant, c'est dans l'amour là, Dieu envoie les enfants. Envoie d'abord les enfants, il y a d'abord, ce n'est pas un contrat. Madame, je te marie, tu me fais des enfants. Non, je te marie parce que je t'aime. Et puis maintenant, après, les enfants viennent après. Donc, le reste là, c'est des designs. Donc, priez pour que Dieu fasse rencontrer des personnes importantes. C'est ce qui est en train de dire mon enseignement. Quand vous priez matin, Dieu vous donne la femme, il vous met à cœur, vous regardez, vous voyez tout ça. Ce n'est pas une femme qui va venir ce jour les posséder, qui parle en langue, qui tombe. Elle tombe. Seigneur, Seigneur m'a dit que... Moi, là, j'arrête ça vite, vite. Le Seigneur m'a dit... Ouh, ouh, le Seigneur m'a dit... Ouh. On assiste aux emboutements à l'église. Hein. J'ai dit, toi et combien, là, il y a quelle différence? Toi et la vieille mère qui danse Cori, combien, là, il y a quoi? Il y a quelle différence? Alors, ne vous laissez pas, ne vous laissez pas les gars bizarres qui vont venir. Moi, c'est ce que je regarde dans mes yeux, là, joli. J'aime ça, bien joli, propre. Si mon cœur est convaincu, j'ai dit, ah, ma soeur, moi, je suis fan de toi. Hein. Ce n'est pas un péché de venir dire à une soeur, tu n'es pas marié. Tu dis à une soeur, moi, tu me plais. Là. Il te plaît, il te dit oui. Ah, comment ça? Tu me plais, ça, comment? Quand il te voit là, tu me plais. Je suis convaincu que c'est toi. Ben, il voit le design, là. Le design, figure, bon, excusez-moi bien, la forme. Tu es bien pour moi. Tu sais pas, je t'ai vu en rêve. Moi-même, je t'ai vu vis-à-vis. Bébé. Mes yeux, ton vie, ce n'est pas un rêve. De ça fait des rêves, vous n'êtes pas des sorciers. Donc je t'ai vu en rêve. Tu es sorcier ou bien? C'est sorcier qui fait pour lui un rêve. Non, il dormait, il t'a vu en rêve. Tu es un sorcier. Toi, tu vois pourtant un rêve seulement. La sœur est là, soit tu la vois en rêve. Tu es son mari de nuit ou bien? Non, il a vu en rêve. Tu es son mari de nuit? Non, il a vu la sœur en rêve. Je t'ai vu en rêve, ma sœur. Je t'ai vu. Je pense que moi, je te vois bébé. Laisse ça faire des rêves. Je ne cherche pas à te voir en rêve. Je te vois bébé. Quand je te vois, tu me plais. Je suis convaincu que c'est toi. Je te dis la vérité. Je te dis la vérité. Si tu n'es pas convaincu, je continue de te draguer. Je finis par te convaincre. Tu es convaincu, on est ensemble. Je te marie, tu deviens ma femme. C'est comme ça. Laisse ça faire des rêves là. J'ai vu la soeur en rêve, je l'ai vu dans une vision. Hein? Faut arrêter ça. Tu l'as vu dans une vision, tu as écouté sa bouche. Quand elle parle à ça, elle n'a pas une mauvaise odeur dans la bouche.
Tout ça, ça compte. Il y a les prophètes. Pourquoi tu y as... Tout ça, là, c'est important. Je ne peux pas marier une femme, je suis désolé. Faut te brosser. Faut parler aux gens. Parler Djokavra dans la bouche à Djovan dans ta bouche. Je suis désolé. Oui, qu'au rêve, je l'ai vu en rêve. Quand je l'ai vu. Je l'ai vu en rêve. Oh, la sœur, je t'ai vu en rêve. Le Seigneur m'a montré. Tu es un sorcier. Toi, tu vois un rêve. Tu es un sorcier. Donc, vous priez pour que Dieu vous envoie des rencontres prophétiques. Quand vous priez comme ça, le Seigneur vous envoie des rencontres. Vous parlez au cours de la journée. Il faut que Dieu vous envoie l'argent. Maintenant, après cette prière-là, vous priez le psaume 23. Parlez. Baruch Hashem est mon berger, je ne manque de rien, il me fait reposer dans les verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles, il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Et même quand je traverse la sombre vallée de la mort, je ne crains aucun rien, Baruch Hashem est avec moi. Sa houlette, ton bâton me rassure, tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires, tu oins d'une ma tête ma coupe de bord. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagnent tous les jours de ma vie et j'habite le reste de ma vie dans la maison de Baruch Hashem. Quand vous finissez, pour d'autres personnes qui connaissent la prière prophétique, ils peuvent le faire 7 fois. Et nous autres, on fait ça 21 fois. Quand vous finissez, si tu avais un problème d'argent, l'argent vient. Dieu met des gens sur ton chemin. Parce que quand tu as dit, Baruch Hashem est mon berger, je ne manque de rien, c'est une déclaration de foi, c'est une déclaration prophétique. Dieu est obligé d'envoyer quelqu'un. Voilà, il est déjà 6 heures moins. Ici, je m'ai fait le sport. C'est important. J'ai cassé un peu les graisses à moi. Parce que j'ai déjà perdu 8, 9 kilos, je crois maintenant 10 kilos. Depuis hier, j'ai perdu 10 kilos. Voilà, donc je vais faire du sport, de la gym, tout à l'heure dans ma salle de gym. Je vous salue, soyez bénis. Ne vous laissez pas séduire par les ribababa. Seigneur, Seigneur. Arrêtez tout ça, soyez des hommes spirituels. Soyez des femmes et des hommes spirituels. Connectez-vous à Dieu tous les matins. Scotchez-vous à la présence de Dieu. Vous allez voir la main de Dieu, vous visitez, vous bénir. Un disciple, c'est celui-là qui se connecte à Dieu. Je poursuis encore l'enseignement demain de la connexion qu'on doit avec Dieu. Je vais poursuivre encore demain vers 5 heures du matin, heure des États-Unis. Soyez scotchés parce qu'on aura des enseignements, n'est-ce pas? C'est heure des États-Unis. Je vais vous donner des enseignements de pointe. Après, au fur et à mesure, je vais vous donner encore, n'est-ce pas, des révélations, des enseignements sur mon livre. N'est-ce pas? Une idée, un aperçu du livre qui arrive bientôt. Bonne journée à vous. Voilà. Appelez Honorine Osso ou appelez le secrétariat pour vous donner le numéro du Canada et d'ici pour des programmes en famille. Soyez bénis. Je vous aime. Dans l'amour du Seigneur. Dans l'amour du Seigneur. Qu'il vous protège. Qu'il vous protège. Ouais, on dit non, les pasteurs disent, enfants, lorsqu'ils sont des enfants, pasteur. Ouais, moi, je ne me base pas, oui, je suis en train de lire quelque chose, c'est le travail de certains pasteurs, ceux qui disent, non, je ne me base pas sur une vision, je suis désolé, on marie une femme parce qu'on a rencontré l'amour de sa vie, voilà, on est convaincu que celle-là, elle répond aux critères. Elle est comme ça, elle est comme si, les critères. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Shalom à vous. Soyez bénis. Soyez fortifiés dans la paix du Seigneur. Recevez toute la grâce de Dieu. C'est maintenant qu'il est 6 heures chez nous. Je pars faire le sport. Et ça, c'est important. C'est thérapeutique. Bonne journée, bonne journée. Que Dieu vous fasse rencontrer. Oui, ils ont brisé des foyers parce qu'ils ont fait une sale connexion. Ils ont mis des gens en contact avec des gens. Dieu m'a dit que celle-là sera ta femme. Moi-même, je vois pas clair, quoi. Puis tu la regardes quand elle ne remplit pas les critères. Elle a foulé, elle a attaché. J'y pondrais une femme qui est dans le champ de canne à sucre. Long dans le champ de canne à sucre, comme les esclaves d'avant. Moi-même, je connais ce qui me plaît. Quand tu vas au marché, tu sais comment acheter le djunglé ou le placali. J'allais marier une femme, elle attachait sa tête. Tu enlèves, mais il y a pellicule partout. Ça veut dire quoi ça? La pellicule partout dans sa tête, j'y pondrais, vendeuse, elle est dans le champ de canne à sucre.
Tu la regardes même à peine même un parfum ciel. Hein? Dans la vie, il y a des bonnes choses. Pour moi, il y a laissé bonnes choses là. Bonne journée à vous. Bonne journée, bonne journée, bonne journée. On a demain, on s'attrape demain encore pour un autre enseignement. On s'attrape demain. Bonne journée à vous. Soyez scotchés demain. On a des enseignements. Shalom.